Ok, donc lors de cette position-ci, j'ai déjà fait des trucs compliqués, mais c'était juste parce que ça sonne bien. Donc, là déjà, j'ai attaqué ce que j'appelle ce que on va faire en fait sur la deuxième position qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est sur cette position-ci. Ça, c'est un accord principal, un accord basique mineur. Donc, vous avez ceci. Ok, là, c'est le sol mineur qu'on a. Donc, le tonique est ici, dans la première note de notre gamme. Et comment cela? Et vous allez faire. J'ai fini donc. Là, c'est ma gamme mélodique. Voyez, en fait, je suis les accords de la gamme majeure, si. Mais dans ma tête, j'ai la référence de cette note-ci plutôt. Et pour la gamme harmonique, je vais plutôt faire. Vous voyez que la tension est plus forte sur la gamme harmonique. Ok. Mais là, je suis encore à la quatrième corde. Je dois aller jusqu'en bas. Je vais. Pour aller jusqu'en bas, je commence ici, on recommence en haut. Je remonte. Non, là j'ai dérangé. Ok, donc on reprend la gamme harmonique. Donc on prend la gamme mélodique qui est plus proche de la gamme majeure classique. On est là. La gamme mais harmonique. Ok, pour notre troisième position ici, voici notre tonique encore, dans la première note de notre gamme. Et là, ça va ressembler à ceci. Maintenant, harmonique. On a cette note-ci au lieu de celle-ci. Celle-ci, c'est la mélodique. Donc. Ouais. Et puis, on recontinue ici. Voyez que cet accord-ci est lié à celle-ci. Parce que notre tonique ici, la première de notre gamme, c'est la même ici. Donc, ici, comme ça, on est sur cette position-ci. Et ici, on est sur cette position-ci. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est aussi commencer ici. Et passer sur cette position-ci. Et finir là. Mais non!